tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je prends mon oracle du moment. Il est trop intuitif. Et on commence par la carte de la nostalgie. Ok. On va en prendre plusieurs, bien entendu. Et on va regarder les énergies. On a la carte ici de la promesse. Ok. Ouh. Nostalgie et promesse. Dakoudak. Et on a la carte de l'alliance. Ok, donc là, on tape assez fort. Allez, on va découvrir toutes les cartes. On mélange le support. J'espère que vous allez bien. On a la carte de la légèreté. Ok, haut en couleur. Et on a la carte des imprévus. Et on a la carte trouver. Ok. En deck, on a quoi? On a la carte de la transformation. Le changement, transformation, nouveauté, se transporter, tout ça, quoi. Ok. Allez, on se concentre. Alors, on nous parle de souvenirs, de nostalgie, d'émotions, de sentiments quand même qui va nous pincer le cœur, qui est lié à des promesses, à des choses qu'on a dit à quelqu'un, des promesses, des choses qu'on devait tenir, qu'on devait faire. C'était quelque chose qui nous rendait léger, qui nous rendait heureux, qui nous transportait avec légèreté. On nous parle que cette promesse a eu lieu d'une manière imprévue, ou alors cette promesse se fait de manière imprévue, se fait sous le move en fait, comme ça en fait, sans réflexion, sans réfléchir, voilà, on fait des promesses comme ça, on est avec la personne et d'un coup on se dit « je te promets de, je nani nana » et ça se fait de manière naturelle, voilà, sur la vibe, ok. C'était par rapport à une alliance, à un engagement qu'on se fait cette promesse. De trouver quelque chose ensemble ou de retrouver quelque chose ensemble, peut-être de se trouver, peut-être, voilà, des choses un peu dans ce sens-là. Donc, on nous parle qu'il y a une promesse qui se fait ici. On se fait une promesse de s'aimer, une promesse de s'engager, une promesse... qui paraît quand même légère et belle, qui se fait de manière, pas calculée du tout. Et il y a quelque chose qu'on se promet également de trouver quelque chose ensemble. Je vais prendre le Normand peut-être pour savoir c'est quoi ce qu'on veut trouver. Qu'est-ce qu'on veut trouver ici? Qu'est-ce qu'on veut trouver? Cette carte, je la reconnais pas du Le Normand. Excusez-moi, je prends le titre au moins. 6. Ah, c'est les nuages. De trouver une solution à des problèmes sûrement. De trouver des solutions aux problèmes qu'on a eu ensemble ou qu'on aura ensemble. Pourquoi ça nous rend nostalgique comme cela? Pourquoi ça nous rend nostalgique comme cela? Parce que c'est difficile, parce qu'il y a une difficulté, parce que peut-être que ce n'est pas simple à réaliser. Et on a la carte de la naissance. En fait, on est nostalgique ou on sera nostalgique parce qu'il y a des choses qui se sont passées, qui se sont créées entre temps ou qui vont se passer entre temps.
En fait, le message nous parle que c'est par rapport à un couple, à deux personnes. Ils se sont trouvés, on est bien ensemble, on se promet des choses, sans réfléchir, on vit le moment présent, mais ça va pas forcément fort tout le temps, ou peut-être que on est dans le conflit. On est dans des petits problèmes, tout ça. Et à ce moment-là, on se promet qu'on va trouver des solutions, qu'on va continuer, qu'on va s'en sortir, tout ça, sur le moment et tout. Et on se le dit yeux dans les yeux, le cœur qui parle. Et en fait, on voit que quelques temps plus tard, on est toujours au même stade. Et on est toujours au même stade de problèmes. Et en plus, le temps a passé, de nouvelles choses se sont faites, se sont créées, de nouvelles choses se sont dites, de nouveaux événements se sont passés. Mais en fait, on réalise que on n'a pas avancé sur ce qu'on voulait avancer ensemble. Et c'est vrai que ça nous rend encore plus nostalgique parce que il y aura ou il y a eu cette promesse. Ces choses, ce moment qui est gravé dans nos mémoires, cet instant où on s'est parlé avec le cœur, où on se parle avec le cœur, qui est quand même assez important dans nos souvenirs, dans notre vie avec cette personne. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, non, les choses sont toujours difficiles et on n'a toujours pas trouvé ce qu'on voulait trouver ensemble. C'est le début du message qui est un peu triste quand même. Donc voilà, on nous dit cela. Alors, on va essayer nostalgique d'une promesse, nostalgique d'une légèreté, dans le sens où on a l'impression que l'autre s'en fout un peu. Ouais, une promesse faite sur un moment qui n'était pas calculé. D'ailleurs, cette alliance, cet engagement, ce couple s'est fait de manière également imprévue. On ne s'est pas peut-être pas trouvé sur un réseau social, peut-être qu'on s'est trouvé à l'extérieur, un ami d'un ami. En tout cas, notre amour, cet amour qui s'est créé, on nous dit très clairement que on ne s'est pas cherché. Ça s'est fait naturellement, ça s'est fait comme ça, comme cela. On s'est trouvé, on a trouvé cet amour, cette alliance. On s'est promis de s'engager. On s'est promis pour certaines et certains que ça reste comme au début, sans prise de tête, où on devait vivre l'instant présent. C'est ce que me dit ce premier tirage. C'est très beau, mais bon. Après, à voir c'est quoi les problèmes ou les choses. Après, faut pas toujours voir en noir, mais bon. Ok. Il est trop bien. Ah, je voulais aussi vous parler de la vidéo de ma copine Anaïs. S'il vous plaît, donnez-lui de la force. Je vais vous montrer sa vidéo et le lien de sa vidéo ici à cliquable ou carrément en lien en description ou en commentaire. S'il vous plaît, donnez-vous de la force. Donnez-lui de la force. Elle est trop gentille. Ça fait longtemps, un moment que je lui parle maintenant. Je sais que c'est quelqu'un de vrai qui est très carré, vraiment très très carré. Qui est très très carré, qui est très pro, qui est très bref, qui fait vraiment les choses bien. Et j'aimerais tellement que vous lui donniez de la force, ça me ferait trop plaisir pour elle. Et puis voilà, c'est tout. Ok, alors on va prendre le tarot pour voir la suite ou un nouveau message. Bon, d'habitude, je prends pas autant de cartes mais qui tombent comme ça, mais je les prends. Alors, en dos, on a quoi? On a l'hésitation. L'hésitation concernant un choix, faire un choix. Ok. On a la carte de la rapidité, des événements, la carte des rêves, de l'espoir aussi. La carte de la force. La carte de l'union.
La carte de la tristesse et la carte de la générosité. Alors là, on nous parle qu'on a affaire à des personnes qui rêvent très vite, qui ont espoir très vite, qui pensent très vite aussi. On nous parle d'une relation qui s'est démarrée peut-être très rapidement, une union qui se fait facilement, vite, deux personnes qui se correspondent, qui s'entendent bien dans la communication. On parle quand même que on passe du rêve au cauchemar. On aimerait faire confiance. On aimerait être nous à 100%. On aimerait tellement donner plus à l'autre. Mais la confiance ici se brise dans ce tirage, malheureusement. Il y a des gens qui se brisent le cœur, qui brisent leur amour, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui continuent d'espérer ici, qui font confiance en leur couple, en leur amour, en cette personne. Mais le souci ici, c'est que on règle pas les problèmes, on règle pas les soucis et on dit ok, c'est pas grave. On dit on oublie, mais on n'oublie pas. Le cœur n'oublie pas ici. Et le cœur, vos cœurs, votre union, je l'imagine comme un seul cœur. Votre amour, votre relation, je le vois comme un seul cœur. Et ok, il y a de l'amour. Ok, il y a plein de bonnes intentions de part et d'autre. Il y a plein de rêves, il y a plein d'envies, il y a plein de bonnes intentions. Il y a également la confiance qui est toujours là ici pour certains et certaines, l'envie de donner, l'envie de faire plus, l'envie d'arranger, mais ce cœur, votre cœur, le cœur de votre amour, plus le temps passe, plus il se noircit, il se fait tri en fait. Et c'est dommage, c'est dommage. C'est ce que dit le tarot ici. Je vais prendre le Normand pour voir la tristesse, le déf. C'est la carte du chagrin, ça. On a la carte de la vision. On a la tristesse de voir certaines choses, de comprendre certaines choses. On a mal de comprendre, de voir. Ce qu'on voit nous fait mal, en fait. Ce qu'on comprend nous fait mal. Ce qui devient ou ce qu'elle devient nous fait mal. Les choses qui changent nous fait mal par rapport à cette personne. Ça nous fait mal ici aussi de voir que ce cœur, cette union, cette relation change. On perd de ce qu'on avait. On perd de l'essentiel de notre amour et ça fait mal. Alors, une carte pour la rapidité. Une carte pour la rapidité. On a les nouvelles qui arrivent assez rapidement ici. La communication est là, sera là. On nous parle de nouvelles qui viennent rapidement. Une carte pour l'union. Non, je vais pas couper. J'ai tiré une carte. J'ai le cavalier et j'ai le public. On nous dit, oh là là, j'aime pas ça, moi, bon, c'est la vie. Il y a des cartes qui se sont retournées ici. On nous dit qu'il y a des gens extérieurs à votre couple qui vont venir vous parler, qui vont venir vous rapporter des choses, vous dire des choses. Ça vient rapidement. Attention, ce ne sont pas de bonnes personnes. C'est des personnes malveillantes qui vont venir vous dire des choses, des conneries. Voilà. Il y a des personnes qui viennent vous dire des conneries. Elles arrivent. Je vais couper parce que je vais ramasser. Mais derrière, donc voilà, j'ai le public, j'ai le cavalier, mais derrière avait une carte, je ne l'ai pas vue. Ouais, bon. Ça confirme juste que ce public qui vous observe, qui vous voit,
vient vous dire des conneries qui vont pas arranger votre situation, qui vont pas vous faire du bien, qui vont pas vous remonter le moral. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ça, à la poubelle, hein? On n'écoute pas ces choses. On n'a rien demandé, d'accord? Ok. Alors, je vais prendre un autre jeu. Autre jeu. Je vais prendre le jeu sur qui j'ai eu un coup de cœur que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai envie de l'utiliser comme un Lenormand, celui-ci, ouais. Ok. Allez, on va tirer les cartes qu'il faut. Je les prends? Allez, soyons fous. Eh bien, il y en a combien? Allez, ça ferait la carte de synthèse. Et en deck, on a quoi? On a le labeur, le fait de se battre, le fait de travailler avec acharnement. La carte de synthèse, c'est le début. On a la carte de la fin en première. La fin. On a la carte de la nature, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est naturel. On a la carte des ancêtres, de la famille. On a la carte du guide, de l'intuition. Et la carte de la direction. En fait, vos guides et votre intuition vous dit qu'il y a une fin, qu'il y a une page qui doit se tourner. Mais c'est vrai qu'en synthèse, on a la carte du début, quelque chose qui s'ouvre, autre chose. Votre intuition, tout Gaïa, tout vous dit que une page doit être tournée ici. Une page, je sais pas après quelle sera la suite, même s'il y a un début, il y a autre chose. Ça, c'est vous qui verrez, les amis. Mais cette page, je la vois lourde à tourner, super lourde. Mais on vous voit aller vraiment dans une autre direction ici. La fin, une carte pour la fin, s'il vous plaît. Oh, j'espère pas que c'est ça. Parce que je vous vois tellement amoureux. La fin de quoi? La fin, un homme. La fin pour un homme. Mener où ça? Mener où ça? Mener où ça? Mener chez vous, dans votre foyer, près de votre famille. Intuition. Votre intuition vous dit qu'il y a un chemin à prendre. Concernant des paroles ou concernant des choses que vous allez dire, vous allez pouvoir, ou une conversation qui va avoir lieu, vous allez pouvoir en fait écouter votre intuition et prendre une direction. Ok? En tout cas, c'est sûr que par rapport à une histoire d'amour, les choses vont changer. Là, c'est clair et net, les choses vont changer. Il y en a qui vont se quitter. Il y en a d'autres qui vont essayer de changer, justement, peut-être. Mais là, si on règle pas tous les soucis, ça ira vers la fin, dans tous les cas. Et ça ira pas vers le renouveau. Donc là, on a une deux cartes. Hein. On voit quelque chose qui a été volé, quelque chose qui a été. Quelque chose qu'on a fait mal, quelque chose qu'on a forcé. Et du coup, ben, on prend vraiment beaucoup plus de vitesse et on part quelque part en fait. Attendez, je vais faire un tirage le Normand. Ah, en vrai, c'est trop dur de tirer les cartes et quand tu vois que l'histoire elle est tellement belle et que oui, c'est possible qu'en fait, il y a des gens, ils se séparent en fait. Mais c'est encore plus dur de le lire. Une victoire sur un travail qui a été fait.
Il y a des mensonges ici par rapport à une administration. Ah, il y a quelque chose qui est cassé là. Il va y avoir des conflits verbaux, des noms d'oiseaux. Là, c'est très compliqué. C'est coupé, c'est cassé. Il vient quand même vers vous, vous parlez. Hein, vous parlez. L'amour est toujours là, la rupture n'est pas là encore. J'ai quand même une carte de femme, mais. Là, en fait, on est pris dans un engouement. On est pris dans un engouement d'incompréhension, d'éloignement, mais c'est pas pour autant qu'on s'éloigne. Il y a toujours un ou l'autre qui va revenir vers l'autre, qui va dire des choses assez dures. On est toujours dans un conflit ici. Et c'est pas pour autant, en fait, cette personne, elle ne veut pas vous quitter, peut-être que vous aussi. En tout cas, c'est très dur de tourner cette page. Mais là, en fait, vous faites beaucoup de mal. Vous faites énormément de mal. En fait, vous tournez en rond dans de mauvaises énergies. Ah bah oui. La communication, elle est là, mais elle risque d'être rude. L'oracle nous dit que... Il y a une possibilité, mais soit franchement, il faut que vous vous calmiez dans un premier temps, apaisez vos tensions, votre cœur. Mais il faut pas faire comme d'habitude en fait. Vous vous aimez, il n'y a pas de doute, la question n'est même pas là. Le jeu nous dit qu'il y a encore une chance. Il y a encore une chance entre vous. Il y a encore une chance. Mais... Vous avez eu vraiment un coup de cœur l'un pour l'autre. Le coup de cœur, il est là, mais il y a également une difficulté dans le cœur ici. Il viendra vous voir, cette personne viendra vous voir, mais même de face à face, les rancœurs sont là encore, elles sont installées. En fait, il faut vous pardonner. Il faut que vous vous parliez. Soit vous êtes connu jeune, soit vous avez des enfants. Vous êtes vraiment au bord de la rupture. Hein. C'est vraiment au bord de la rupture. Franchement, ouais. Pour les gens qui sont concernés, là, ça vous parle. Franchement, calmez-vous avant de répondre, avant de vous parler. Calmez-vous. Essayez de ne pas être dans la rancœur, dans les mauvaises pensées, tout ça. Si vous voulez qu'en tout cas, ça s'arrange entre vous. Il faut vraiment que vous trouviez une solution, là. Il y a vraiment une solution. Il y a une solution à trouver et elle existe, la solution, là, on le dit. Il y a une solution pour un redémarrage. Mais il faut vraiment que vous soyez pas sans chaud, là, parce que sinon, cette solution, elle sera même pas possible. Elle sera même pas envisageable. Très clairement, elle sera pas envisageable, la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais tirer... Trois signes astro. Allez, ça saute, on prend, ça saute pas. Voilà, allez, on jette. Allez, on prend celles qui sont déjà retournées. Allez, on les prend toutes, ça y en faut aujourd'hui. Scorpion, poisson, bélier, sagittaire et gémeaux. Allez, je vais prendre un autre support. Attendez. Des maisons astrologiques, j'aime trop ça.
Allez, on va être un peu plus dans le général, voilà, ça va pas être que dans l'amour, il y a aussi, mais pas que. On fait un truc un peu plus global. On va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder ce qui se passe dans l'argent, dans les finances. Vous avez un choix important dans l'argent. Un choix important dans vos finances. Allez, une carte qui saute. Ok, on la prend direct. Au niveau de l'argent, vous avez un choix à faire, peut-être au niveau des économies, ou peut-être de quelque chose que vous avez caché, ou enfermé, ou mis de côté. Un choix concernant ça au niveau de l'argent. Ok. Est-ce que j'ai pas un petit truc pour me dire que j'ai déjà fait la maison? Ah ben, je dois avoir un charme. Je vais avancer le. Je vais mettre des charmes à chaque fois. Ben, je sais pas où ils sont, mince. Bon, c'est pas grave, je vais m'en souvenir. Alors, on va dans les. Dans vos amis et votre entourage. On va aller dans ça. Allez, pour l'entourage, les amis, on a deux cartes. On a la carte du travail et on a la carte de l'argent. Il y a quelque chose à voir avec vos amis, votre entourage, tout ce qui est astrait à l'argent, aux cadeaux, aux sorties, à la générosité, voilà, tout ça. Voir un peu ça dans ce sens-là, un peu réfléchir sur ça. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Ok. Dans tout ce qui est famille et enfants. Famille et enfants. La famille ou les enfants. On a quoi? On a l'amour. On a l'amour. Alors, on a vraiment l'amour. Ça peut être également d'une personne qu'on considère comme quelqu'un d'un membre de notre famille, mais qui n'est pas de notre sang. Quelque chose comme ça ici. Alors, au niveau de vos passions, de votre créativité et vos activités, on nous parle qu'il y a des choses à réajuster, à voir. On vous dit que vous allez trouver d'autres passions et d'autres activités. Genre actuellement, vous faites des choses peut-être, mais vous allez trouver d'autres choses. Alors, au niveau de votre santé et de vos soins, bien-être, tout ça, commencez. Alors, on voit que vous allez peut-être passer des examens médicaux, mais on nous dit que ça, il y a la victoire, donc ça devrait aller. Au niveau du conjoint, du partenaire, de vos relations d'amour, on nous dit quoi ici? On va dire que c'est des conseils. Hein. Ou alors c'est des petites prédictions. Oh, 4, ok. Alors, ok. Des choses à voir concernant un échec. On a la joie et le retour. Voilà, il y a un retour potentiel pour retrouver la joie, l'engagement. Mais il y a eu un échec ou alors voilà. C'est un peu compliqué. Et il peut y avoir aussi un échec de retour. Tout dépend comment vous allez se passer. Alors au niveau de... C'est vrai qu'il y a plein de mots-clés et je trouve pas que... Pourquoi, genre tu mets la sexualité avec la crise, je vois pas le rapport. Ou alors il faut dire que sexualité, que crise, voilà. Bon, j'ai une autre carte qui pourra me parler. Bon, sexualité. Alors, au niveau de la sexualité. Message pour la sexualité. On voit un retour à la sexualité, genre une sexualité beaucoup plus stable, malgré un peu un repli sur soi. Ok. Au niveau de vos déplacements. Au niveau de vos déplacements. On voit des petits soucis peut-être de déplacement, peut-être aller au travail, ou alors des soucis de déplacement. Au niveau de la carrière professionnelle. Je dirais ce jeu, il est tellement usé. Alors, culpabilité. Alors, peut-être que certaines personnes vont se sacrifier pour leur famille, leur carrière professionnelle ici. Au niveau de vos projets, de vos rêves. Alors, il faut pas que vous culpabilisez. Vous méritez tout ce que vous recevez, d'accord? On voit que vous n'allez pas aller au bout, malheureusement, sur certaines choses. Après, c'est ce qu'on me dit, mais vous pouvez toujours. Vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, vous pouvez toujours y aller, quoi.
Au niveau de vos illusions, de tout ce que vous voyez, mais pas, vous voyez pas de la bonne manière, quoi. Au niveau de vos illusions. On nous dit qu'il y a quelqu'un que vous considérez comme spécial, mais en gros, attention à vous. Au niveau de votre ego, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre ego? On voit que des fois, ouais, votre ego peut prendre le dessus quand vous communiquez pas mal, en fait. Ouais, vous avez peut-être pas mal d'ego parfois. C'est ce qu'on nous dit, les amis. Donc voilà, les amis, moi je fais des bisous, prenez soin de vous et à demain.